Concernant les 24, je dirais que c'est vraiment un festival assez particulier du fait qu'on en rencontre très peu d'aussi grands en plein air, enfin sur un campus en tout cas. C'est un festival organisé simplement par des étudiants, donc qui se démènent depuis septembre, ils partent de zéro. On a zéro budget, on cherche toutes les subventions, les sponsors et tout. Un festival qui a quand même trois pôles différents. On a d'un côté les animations, d'un côté les courses, de l'autre côté les concerts. C'est trois publics aussi différents, c'est trois zones différentes. On est une équipe très soudée, on voit beaucoup de choses et c'est un peu de stress pendant le week-end, mais c'est vraiment une bonne expérience. C'est une expérience personnelle assez incroyable. Enfin, on rencontre plein de gens, on passe toute notre année ensemble, puis ensuite lors de la semaine de manif et même les deux semaines pré-manif, on est H24 ensemble. Nous sommes en fait France Télévisions, France 2 Télévisions. Donc c'est nous qui couvrons officiellement l'événement des 24 heures Minutes. Merci 24 heures, c'est pas un bon week-end. Absolument. Ouais, les 24 c'est cool, venez. Là, les 24 c'est comme à la messe, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Ouais. C'est la bonne ambiance. Là. Ouais, les 24 heures c'est parti d'une course à vélo de 24 heures. Nous ici maintenant, on est là, on filme. Le but c'est de montrer le plaisir, voilà. C'est beau en plus. Il fait beau, beau soleil, les activités et tout, c'est parfait. Je pense qu'il faut venir parce qu'on est bien, quoi. On arrive de Toulon et d'Aix-en-Provence. Et franchement, les 24 heures, c'est de la patate. Ce qu'on veut, c'est remercier tous les festivaliers qui sont venus ici parce que c'est eux qui nous rendent heureux à servir des bières. On a donné tout ce qu'on pouvait donner et c'est génial. Étudiants de l'INSA Rouen, nous sommes fiers d'être aux 24 heures de l'INSA ce soir. Nous sommes des champions de Normandie. C'est un festival de folie.
avait de la boue l'an dernier. On pouvait faire de la bataille dans la boue. Et là, il n'a pas assez plu. C'est une année de merde.